statistique, il y a tout le côté statistique, alors après c'est un peu... La tricherie sur vos tutrices, regardez. Oh là 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 là, mais c'est horrible. Salut bande de salopes. Avec les tutos, on apprend, on s'amuse. Bluff x 2, et c'est fini. Oh, oh là là, c'est l'OHKO sur le vagin. Crustabri rentre dans ta culotte. Mais enfin, il meurt. Chiné. Crève, oh, un oh, gel. Ah, c'est chaud. Enfin, c'est froid. Il peut pas attaquer. Quoi? What the fuck? C'est Ziox qui tenait la Lucarite. Mais sérieux, Vanicou, il a fait l'ensoleil. Il est où le Kuba? Mais il est où le Kuba? Donc Sonic qui... Oh what? Il a fait une trompette. Il a fait ses huiles. Mais quel idiot. Il a fait ses... J'en peux plus. Mais j'en peux plus. Abruti. Enfin, ça marche. Désolé du retard, XSplit qui fait de la merde et le fond vert... Faut enlever les paillettes. Le fond vert qui fait de la merde, le truc tout marche pas aujourd'hui, je sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi il y a eu des bugs. Donc XSplit déconne d'un coup comme ça. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, on est bien sur Gaming Live, on est là jusqu'à 19h et on va diffuser le fameux tournoi générationnel. Que j'ai lancé la semaine dernière, qui s'est plutôt bien déroulé, étant donné qu'il y a eu, bon, il y aura que deux matchs qu'on ne verra pas, hein, enfin la plupart des matchs de Kenshin au final, étant donné qu'il est un peu Hearthstone et que bon bah voilà, hein, le Hearthstone c'est pas intéressant à montrer en live, vraiment pas. Et donc voilà, on avait eu 32 joueurs si je dis pas de bêtises, les règles étaient simples, il fallait avoir un Pokémon de chaque génération, donc ça fait un Pokémon par génération, ce qui est plutôt pas mal vu qu'il y a des Pokémon à peu près stylés dans chaque génération. Il y a eu des teams variés, il y a eu des teams du Schnapps, il y a eu des teams de qualité. Je suis en train de mettre les chats devant les yeux, bah, c'est un peu le bordel, en plus les allergies sont en train de m'attaquer aujourd'hui. C'est... Ça va être une journée assez dure la journée, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais morfler. Sinon les petits copains sur la TV1, sachez qu'il y a un chat où il y a plus de monde pour parler de Pokémon. Eh bien, il s'agit du chat de la TV Event que je vous link immédiatement. Vous avez juste à cliquer dessus sans trop bouger. Et comme je n'ai pas de mouchoir, je me mouche dans du PQ. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai le nez bouché, je suis pris jusqu'au sinus. Et voilà, et donc XSplit qui me recasse les pieds. En me disant, gros mémoire, utilisation, blablabla, blablabla, alors que je suis en 30 FPS et tout, voilà ce qu'il me dit. Voilà, il me dit ça, je sais pas pourquoi. Bon, on va quand même passer au premier match qui oppose Nox contre FX. Alors ça, je peux réduire. Voilà, et là, j'ai le chat là. Je rentre le code, à tout de suite. Je vais mourir en poule, hein. Je le sens. Aujourd'hui, il paraît que c'est la pire journée de l'allergie mondiale du monde. Tout le pollen, il s'est dit, on va polliniser tous en même temps. Comme ça, on va rendre malade Timothée pour son live. Et là, on est bien. Mais j'ai des antihistaminiques. Je crois à la peau, je vais aller prendre des antihistaminiques. Parce que c'est pas possible. Je pourrais pas tenir... toute la journée avec le nez bouché, machin. Les yeux rouges. On pourrait presque croire que je viens de me lever. La gorge qui gratte. S7. Et voilà, on est malade, mais on live quand même. Pour l'amour du CPM, toujours. Toujours l'amour du CPM. Et l'amour du fond vert.
magnifique fond vert. Ouh. Alors, nous avons Nox contre FX. FX qui joue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. FX qui décide de pas jouer de méga évolution. Avec Motif Maf, Flambusard, Grumble, Tentaculesse là, Tentacruel, voilà, Junko et Demeteros. De l'autre côté, Betochef, Flambusard, Karchakrok, Latios, Demolos et Ectoplasma. Alors moi j'aurais pris Mega Scizaiox pour la team de Nox. Mais c'est vrai qu'après il manque un peu d'attaque spéciale. Bon allez, c'est parti. Premier combat de ce top 16. Sceptile est de la 3G mais, qui méga évolue ou pas. Voilà, ça start avec Ectoplasma de l'autre côté, Monsieur Prop. Bon bah là, Ectoplasma pourrait 2 HKO facilement. Mais non, mais en face du côté de Nox. Ah oui, c'est vrai, Junko a une méga, pardon, c'est vrai que je dis de la merde. Je crois que tu me disais que Junko appartenait à... Que si sa méga appartenait à la 6G ou pas, parce que effectivement elle est dans Rosa. La brûlure. Toujours la brûlure, hein. Comme ça Karcha ne fait plus beaucoup de dégâts, mais il a quand même accès à Toxique et Piège de Rock. L'hydrocanon. Merci le type dragon. Voilà, Dracoqueux. Bra. Donc imaginez, hein. Imaginez la Dracoqueux sans la brûlure, ça ferait deux fois plus de dégâts. Les PDR du côté de Tentacruel. Mais bon, ça va être tout récupéré via la boue noire. FX qui veut jouer en Triazard, donc là il risque de mettre les pics toxiques, etc., etc. Ah, même pas. Alors c'est peut-être son spinner. Mandorus pour mettre à moins 1 encore. Donc là il a divisé par 2. Donc en théorie s'il est à 0, il est à 0,5. Vu que son attaque est divisée par 2. Moins 1 cran. Donc ça ferait 4, 5 crans en moins. Donc là le Karcha il fait plus grand chose. Il fait vraiment plus grand chose. Les pièges de rock de l'autre côté sont posés. Ma foi. Ah, est-ce que mon tweet est parti en fait tout à l'heure? La Dracoqueux. Toujours un coup de fil, la Dracoqueux est là pour faire les dégâts. Et surtout, oui c'est bon, le tweet est parti. Voilà. Bon bah la Dracoqueux qui va faire des petits dégâts chaque fois, mais vous savez, hein, des petits dégâts, plus les PDR. Ça commence à faire beaucoup. L'arrivée du Beto Chef pour sans doute prendre un toxique ou quelque chose du genre. Avec cran ça peut être pas mal, voilà l'ébullition. Ça veut la brûlure, voilà la brûlure est là, le sabotage va commencer à piquer, même si le type poison résiste au type combat. Eh bien les dégâts vont être là, du côté de Beto Chef. Parce que le cran est activé, ça a plus de 400 d'attaque. Bombe acide, en plein dans la sauveste, voilà comme ça. Voilà la défense spéciale par contre qui baisse, ça c'est pas cool. Ah oui la façade ça fait mal. Bon après il est très tanky mais voilà. Oh putain les dégâts de la façade. Beto Chef façade, new meta, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, après, a priori, ça a 2 HKO, un Tentacruel sous la brûlure. Hein. Là, Beto Chef, il est orange, dégueulasse orange. Et le Vampy Point, le Miac Punch, pardon, qui ne suffit pas pour tuer. Au final, il aurait peut-être dû faire Drain Punch. Le Beto Chef ne sert plus à rien. Il a voulu tuer sur Miac Punch, mais il a oublié que bah, Tentacruel, ça a beaucoup de défense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de défense. L'arrivée du Latios pour faire Shock Psy sur Tentacruel et le terminer. Pardon. Voilà, c'est x2. Le type poison résiste pas au type psy. Et alors, je comprends pas comment c'est fait leur système. Qu'est-ce qui détermine quoi qu'est-ce. Ah, par contre, Junko, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Je suis en train de mourir en poule, Mega Junko qui passe de type dragon plante, qui prend x4 à la glace, plus que x1 au type feu, x2 au dragon, Draco Choc, il est plus rapide. Ah ça tue ma gueule, mais il y a un Flambusard en face, hein, il prend toujours x2 sur le type vol. C'est vrai que Tentacool, Tentacruel tank beaucoup plus le spécial, mais il est quand même surprenant d'un point de vue défensif physique. Hein.
Sincèrement, j'ai déjà vu des tentacruels tenir des trucs, des mixettes tentacruels. Pleure. Tu pleures, le mixette tentacruel. Flambusard qui vient mettre le brave bird dans le motisma. Attention s'il est le bander. Hein. Bander va lui faire mal. Ça suffira peut-être pas pour 2 HKO malheureusement. Il est peut-être lifeform. Il n'est pas lifeform donc il est bien bander. Et puis là après les restes ça tuera pas. Motisma qui est un très très bon check à Flambusard. C'est pas réellement un contre en fait. Il décide d'en finir Nox. Hein. Il veut le tuer le Motisma. Malheureusement ça ne suffisait pas. Hein. Il suffisait de calculer. Il espère. Ouais, il espérait les drop imprint, mais voilà, changer clair après tout, c'est simplement précision. Et ça tue. Fouen, il y a des vrais mecs. Il y a des vrais mecs qui ont des shiny strat. Hein. Ken Bogart, dans sa team, il y a des shiny strat. Tu sais, t'as juste à trouver le shiny, puis après à le rendre strat, hein, tout simplement. Il a toujours pas spinner le challenger de FX. Non, il y a pas spinner le challenger de FX. Badada. Demolos, vibre obscur. Il a pas tenté. Mais là, il est tanky, hein, l'Andorus. Hein. L'Andorus est tanky. Hein. Ça va tuer. Il a sacrifié sa méga bêtement. Ça, c'est dommage. Ah oui, tu peux avoir plein de shiny strat. Hein. Je vais mourir avant la fin de la journée, c'est officiel. Ectoplasma. Ballon qui va tuer. Hein. Pour peu qu'il soit lifeform. Ectoplasma lifeform est monstrueux. Très très monstrueux. Un Pokémon très redouté. Junko qui est pas plus rapide. Ça a tenté le Dracochoc. Et ça tue pas. La Cradovac, ça tue. Voilà, Cradovac, y'a pas de mystère. Hein. Là, y'a pas de mystère. Hein. C'est x2 le bulk de Junko. Oh, puis coup critique, comme ça, c'est bien. Bon, vivement. 15h45 que j'allais prendre des médicaments, hein, parce que là je suis en train de mourir. Brave Bird. Voilà, ça va venir tuer l'ectoplasma. Non mais si t'as un shiny qu'après tu le rends strat, on s'en fout. On s'en fout du moment que t'as eu le shiny. Eh oui, le débat des Shiny Hunters, hein, qui méprisent un peu trop les joueurs de strat. Du coup, les joueurs de strat s'amusent à troller les Shiny Hunters en mettant des Pokémon Shiny générés. C'est un débat sans fin, mais vraiment sans fin. La mort du Garchomp, casque brut de peau dure, la lifeform, même pas. Et Nox a perdu le premier match. C'est allé assez vite cette rencontre, hein. C'est allé assez vite. Maintenant c'est Matoru contre Mondotech. 24 R, 4 et 7. Ta-da-dam. Alors moi je dis pas qu'il n'y a pas de shiny strat, là, là je suis pété de. Mais en fait si on génère les équipes avec les outils, je me demande pourquoi mettre shiny, je trouve ça dommage, après ça me. Oui, mais moi je suis du même avis, je trouve ça con de mettre des shiny strat si tu ne l'as pas capturé. Le but du shiny c'est de le capturer soi-même. Après, si tu trouves le color swap intéressant. Bonjour, c'est moi en grand. Si tu trouves le color swap intéressant, après les mecs font ce qu'ils veulent, ils veulent générer des shiny. Vous savez, la triche existe depuis le début dans Pokémon. On pouvait déjà générer des Pokémon shiny dans la 2G. Donc voilà, hein, quoi qu'il arrive, et dans la première G, il n'y avait pas de shiny techniquement, à part ceux qui étaient 6 IV. C'est pour ça que des fois, t'avais des Pokémon qui passaient shiny. On peut être shiny car on aime leur apparence, rien de plus. Ouais, voilà, après c'est que du cosmétique, c'est comme les skins dans League of Legends. D'un point de vue stratégique, les shiny, c'est des skins dans League of Legends, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà. Il y a des gens qui payent pour des skins sur League of Legends, donc du coup, bah on peut bien mettre des shiny, quoi. Alors, Fairy Pick, ah oui! Fairy Pick qui joue Minoto, Pazumarill, Igualta, Dracofeu,
Karchakrok, Latios, de l'autre côté Aquali, Raikou, je comprends pas le, la team de Matoru, mais c'est pas grave, Gardevoir, Black Kyurem, Crowdlucha et Itran. Oh, la team de Fairy Peak. La team de Fairy Peak. Primo Numel. Ça envoie Excadrille en 1 face à Itran, ballon. Non, il a pas le ballon, il a pas le ballon. Me dis pas qu'il a pas le ballon. Ah, il a le ballon. Donc là, le Primo Mecléoui est bloqué. Donc là, il y a les PDR gratuits. Oui, après, les Chanifs ont perdu du temps. Déflagration sur Garchomp, ça devrait bien se passer. Merci, le type dragon. Quand même, hein. Il est modeste, hein, ce Itran. Hein. Oui, enfin, sauf que là, il va faire braque au queue. Ah, l'anticipation, Matoru. Par contre, le Minocanon, là, c'était le Reforce qu'il fallait taper au final. Ouais, quand même. Ouais, je pensais qu'il allait switcher son Garchomp. Bon, c'est pas... Le ballon est éclaté, l'escadrille pourra revenir tuer le Pokémon plus tard. Ouah, wow, Black Kyurem qui met directement la pression. Mais pour Counter Team, qui? Comment tu voudras qu'il Counter Team une team dont il connaît pas l'existence? Laser Glass sur Azumarill, c'est pas veille. Là, il se passera rien du tout. Moi, Black Kyurem est un Pokémon qui me fait assez peur. Salut Ayer. J'aimerais savoir sur quel Pokémon commencer à jouer. Bien, prends les dernières versions Ayer 13. Joue sur. Tu es. Ouah, la tête de fer qui vient tuer finalement une fois que t'as du stab acier sur Black Kyurem. C'est fini. Ah, pourquoi ce Pokémon est en overuse au final? Il n'est pas assez rapide et il tape pas... Enfin, il tape fort, mais pas assez rapide non plus. Voilà, donc là, ça va retirer Azumarill. Il va falloir mettre un Pokémon pour prendre sans doute une attaque poison. Ébullition. Oh, la peau sèche. La peau sèche. Donc, le meilleur hein, Primo Lupio, c'est la meilleure, le meilleur contre Pokémon. Salut Kikourax. Non, Kikourax, laisse-le prendre Rosa. Il va prendre X et Y et il va sans... Enfin, il y aura personne avec qui jouer. Ah, là il va ASMR. Le micro déconne. Allô. Allô le micro. Allô. Non, c'est bon là. Pourquoi il déconnerait le micro? Ah bon, le son a augmenté sec. Peut-être passer sur l'autre. Ouah, la tête de fer. Hier, t'as passé mon infalie avec Cisaiox qui aurait, mais bon, mais Cisaiox se gère trop. Oui, non, mais y'a pas que Cisaiox qui gère Black qui aurait, mais. Je mets ta grosse, hein, le gère au final, le méga. Ah, on a le retour du vrai micro, me dit Mijazu. Salut Sander Gamboa. Ça existe toujours pas les... Non, 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 toujours pas d'émulateur concret qui fonctionne. Sur 3DS, non, sur PC, voilà, ça existe pas. Ouais, l'herbe blanche sur Raulucha. Alors qu'en vérité, tu fais clonage. Tu pousses le switch, tu fais clonage, clonage. Dès que le mec a switché et que t'es derrière ton clone, tu fais dans slam, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Bobo de la console, c'est fini. Ligualta, Choice Pack ou Mouchoir Choix, on en parle ou pas? Mais mettez-lui la Bessitrus. Ou la belle là, qui augmente l'attaque. Ouais, Bessitrus, voilà. Ryuja, tu le joues comme ça, toi, tu le joues clonage dans slam. Clonage dans slam, c'est le set divin de la vie, hein. Et le colibri. Ça va tuer, hein. Vu le bulk de Gardevoir. Les matchs vont vite, hein. Pas envie de choper une 3DS pour jouer à Pokémon pour voir si j'ai un... Ah, bah après, tu sais, une 2DS, ça coûte pas très cher. Et puis, bah voilà, fin du match. Matoru s'est fait... Atomisé, matomorisé par notre cher ami Fairy Peak. Alors, G. Parce que pourquoi on met pas Herbe Blanche? Parce que la seule attaque qui utilise Herbe Blanche c'est Piqué, puis après bah il te faudra deux tours pour lancer Piqué, c'est complètement con. Hein. Moi je. Ah, Lucha Herbe Blanche n'existe pas pour moi.
Je vais éternuer, tu vois. Non, j'ai pas la crève, je fais des allergies, j'ai des yeux rouges. Vous voyez pas, mes yeux, ils sont gonflés. Alors, Timoth, ça va avec toi, Ruchu? Après, une 2DS, ça coûte pas très cher. Alors, Dr. C qui joue une team des plus schnapps. Un dirait pas qu'il clique comme ça, il fait la polka, tu sais, la polka. Un dirait, il danse la polka. Cisayox, la Tias. Nous avons aussi un Scorvol, ainsi qu'un Gamblast et un Viking. De l'autre côté, on a un Cinderella du côté de Dan, d'un Ténéfix, pas méga, Farceur, Mega Florizard, Azumarill, Dimoray et Flambuzard. C'est parti. Ah, il utilise Kikli, hein. OMG, trop BG. OMG, trop BG. Trop BG. Hitmonlee. C'est bien, comme ça, s'il start avec sa merde de Ténéfix, t'as emmerdé. Waouh, bon, bah là, c'est 10-0. 10-0 le match-up. Hein. Y'a Gamblas, y'a Gliscor. Je suis Scorvol. Il est pas un peu bander ce flanc bizarre? Il est pas un petit peu bander? Dis-moi que t'as atterri, hein. Voilà, c'est un match assez long. Dis-moi que t'as atterri, phase de... Voilà, très bien comment on gère un Flambuzard qui n'a pas provoque. Eh oui, alors que le Flambuzard tourne PDF, au final, s'ambiance devant Gliscor. Mais bon, c'est pas grave. Flambuzard, sûrement le Pokémon CG, le plus pris, la CG... Bah, il n'y a plus Amphinobi. Étant donné qu'il n'y a plus Amphinobi, tu prends un Pokémon CG, mais moi, j'utilisais le Flambuzard. Hein. Après, justement, l'avantage des tournois générationnels... vous permet de faire un peu au poker, un peu deviner les teams adverses. C'est ça l'intérêt de la chose. Tout simplement. Ouais, les FV c'est toujours impair pour pas prendre les pièges de rock quand on prenait x4 sur les rocks. Azumarill, waouh, non, Scorvol PDR. Ouais, du coup, il va pas gérer l'Azumarill. Là, il va être obligé de partir, mais il est full life. Par contre, l'Azumarill... Ouah ! Oh ! Oh ! Attention, hein, parce que là, c'est l'Azumarill... Bon, je sais pas si les Bander... Ça fait mal. Hashtag... Ça fait mal. Par contre, la Quadjet ne tue pas. Ah oui, complètement Bander, le Talonflamme. Oui, bien sûr. Cisayox, Cognon Beatdown ! Le problème, c'est que sans super power, là, l'Azumarill aura rien. Et un Azumarill mal monté. Un Azumarill qui est pas bien monté. Parce que la Vessitrus ne s'est pas activée. Là, c'est PVP hein, sur Azumarill, par contre. Ouais, par contre, là, tu vas prendre Pisto. Pouah ! Le coup critique ! Oh, putain ! Oh, la vache ! Oh purée! Alors là, par contre, ça tue pas. 187, voilà, il a les PV impair. Du coup, à 1 point de vie, la Bessitrus ne s'est pas activée. Azumarill, il aurait fallu mettre 4 EV en moins en PV pour que la Bessitrus s'active. Ah, wesh, Moray. Donc là, attention, Latias copy type justement. Mais là, à mon avis, il y a poursuite, non? Oh, il n'y a pas poursuite! Donc c'est pas le trap killer, il y a un sabotage. Cloudizer. Bah ils sont montés niveau 100 133 gamers. Ils sont montés pour être au niveau 100. Donc forcément c'est pas les mêmes répartes. Parce que 149 là au niveau 100, bah ça fait un chiffre en 8. Donc voilà. Et 298. Donc ça fait des PVP hein, par exemple. Donc c'est des Pokémon de montée niveau 100. Mais... Salut Blue Cordon. Pour ceux qui sont sur la TV1, je vous invite à basculer sur le chat de la TV Event ou à basculer sur la TV Event pour discuter stratégie. Waouh, les pointus qui viennent terminer le flanc bizarre. Victini Mouchorchois, incendie. Je sais pas pourquoi il joue incendie. Non, il a bel... Mais non, mais Azumarill est plus rapide que Cisayox. Un Cisayox cogno bidon, il a investi en vitesse. Hein. Un Cisayox méga, il est pas investi en vitesse, il est PV attaque. Hein. Ah, vu le Vizard. Scorvol qui stoppe bien les Florizards, mais
que le, la version SPDF. Et il a l'air d'être SPDF. Rock, poseur de rock SPDF. Le problème, c'est que là, il faut pas se setup. Il ne peut pas se setup. Donc là, il va être obligé d'atterrir, niquer tous les PP de Florizarre. Stoller comme un malade. Parce que là, on va dire que... Ah, et puis il y a les vampigraines. C'est un peu compliqué, là, pour Dr. C. Il a plus son Cisaiox. Sachant que les Florizards ont tendance à avoir PC feu. Oui, il est juste pas investi en vitesse, le Mega Cisaiox. Azumarill, il devait être full attaque, full... Il avait quoi? Il avait 187 points de vie. Un Azumarill investi en PV, il a presque 200 points de vie. Donc il devait être PV vitesse, l'Azumarill, et full attaque. Salut Storm Pirate. Mais Scizor, oui, de base est plus rapide, mais pas un méga Scizor. Cisaiox Bander était plus rapide par contre, ça c'est sûr. Donc il est PV vitesse. Attaque vitesse, pardon. Donc la première erreur de Dr. C. Alors fait Draco Météor. Ça tuera pas, il a moins 2. Bon, quoique Cinderella a pas de quoi se régénérer, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Bon, il y a le Shadow Tag, mais le Shadow Tag ne fera pas grand chose. De Dracometer, ça devrait, voilà, ça va suffire. Bah, Shino 019, moi le ban de Landorus, j'étais contre. Après, bon, bah, les gens font. La majorité a parlé, hein. A priori, s'il doit être banni, il doit être banni. Hein. Après, pour moi, le ban n'était pas juste. Le fait est, c'est vrai que le Pokémon était broken. La pression du Guimauré, il peut pas envoyer son Victini. Il préfère sacrifier le Latias, voilà, très bien. Moi j'aimais bien Landorus, Landorus génie. Victini, qui est plus rapide parce qu'il est mouchoir choix, Sandbastat vitesse, donc 150 de speed, il y a très peu de Pokémon, il est plus rapide que Mega Beedrill. Avec le mouchoir choix, tout simplement. Et l'incendie va faire mal au Florizarre aussi. Ouais, enfin... Il est spécial, le Victini, hein. Glace Core, tu vois, voilà, il va checker. Là. Comme il est pas trop investi en attaque, le Vistor, il prend pas grand-chose sur Tricherie. Pokémon relou avec... voilà, il voulait faire Toxic pour niquer le Staying Power. Ouais, début... Après, c'est vrai qu'il était un peu no-brain, Landorus. Hein. Il n'y avait que Latias et Latios Mega qui étaient des vrais, vrais contre. Des Pokémon qui pouvaient venir sur lui. Voilà, c'est ça. On parle de vrais contre, c'est ça. C'est des Pokémon qui peuvent venir sur lui. Je sais pas pourquoi Jim Carrey, peut-être parce qu'il a un grand sourire. Je sais pas comment le match va se débloquer, mais à mon avis il va y avoir un coup critique. Les dégâts tout plein, le premier coup critique, voilà. Et là en fait, la provoque a disparu. Et là il y a un 50-50 qui va jouer. Est-ce qu'il fait séisme ou est-ce que je fais provoque? Faut pas prendre le toxique. Et là il y a un 50-50 les mecs. Voilà, il a oublié la provoque. Est-ce qu'il fait séisme? Et il a fait toxique. A tous les coups il a fait toxique. Il a fait Toxic, qui était le choix le plus évident. Très bien, Dr. C. Bon, bah là, le Jim Carrey, eh ben, il veille. Itran est trop important pour la méta. Hein. Pour le metagame actuel, Itran est vraiment trop important. On ne peut pas se passer de Itran. Parce que sinon, le type Ferry serait trop broken. Et Itran, il arrête des choses que. Voilà. Même le type acier serait trop broken sans Itran, donc voilà, non. Bon, Itran, il est très important pour la méta. Il stabilise la méta. Oh, et puis Itran, il a des checks, bien sûr. Déjà, tout ce qu'il évite, Motisma, Zumarill, Landorusté, Scorvol. Ouais, Itran, il calme tous les types faits. Jusqu'au jour où là, on va se retrouver avec les Nymphalies PC seul. Comme en début d'XY. Moi j'ai un Infani PC seul, hein. C'est la phase de chien. Bon bah là le Ténéfix fait pas grand chose. Ça se raccroche à la vie mais autant dire qu'on se fait chier.
Il a fait séisme. Mais quel idiot, il a fait séisme. Et le poison va tuer le petit ténéphiste. Bah c'est clair qu'avec un film de bulle, Andorus c'était gratuit. Mais à peu près toute la méta était gratuite avec... avec Amphinobi au final, hein. Gunshot balayage, tu tues Noacier, Itran, tous les ferries, Laser Glass, Hydrocanon, Life Orb, tu touches tout le monde. Mais vraiment tout le monde, et c'est scandaleux. À part Keldeo, voilà. Après, tu peux mettre Extra Ascenseur, hein. Moi le mien avec Extra Ascenseur pour passer Florizarre. Hein. Voilà, Florizarre qui est un Pokémon qui remonte hein, du coup ça, depuis la disparition de Landorus. Il n'aimait pas la Tellurie Force et la Cradovague. Donc on va revoir de plus en plus de Florizarre. Donc qui dit plus de Florizarre dit plus en plus de Flambuzard. Donc tout ce qui finit en Zard se contre. Tu vois, tous les contres en Zard. Ouais, enfin, sauf que là, Victini, mon avis, va faire mal. Hein. S'il est modeste ou choix. Sizer et Dimoré. Bra! Aïe, aïe, aïe. Eh oui, hein, ça choque aussi cette merde. Hein. Victini est un Pokémon assez redoutable. Hein. Moi, c'est un Pokémon qui me met la pression autant que Black Kyurem. Il n'y a que Kuba qui le passe bien. Enfin, t'as pas de problème avec. Il suffit que le mec il fasse un set malgache pour tenir les Kuba. Et là, tu pleures. Il est 15h45. Il est temps pour moi d'aller prendre les médicaments. Parce que je commence à mourir en poule. On fait une petite pause, on revient pour la suite du tournoi générationnel. Nous aurons donc Dahlia en prochain match contre Woods. Et il restera 1, 2, 3, 4. 4 matchs là. 4, 4, 8. Il reste une dizaine de matchs. On revient dans 5 minutes sans perdre de temps. On est toujours sur Gaming Live. Je vous invite à désactiver Adblock pour soutenir Gaming Live. On revient, à tout de suite.
et explique qu'à ses 7 ans.